tous, on se retrouve pour la dernière rune enfin. Donc nous sommes au sommet de l'île. Alors, pour sa localisation, j'ai fait le niveau normal, jusqu'à arriver à ce portail de lumière. Donc ce portail de lumière, je vous fais rentrer à l'intérieur. Mon chien était mort, je ne l'avais même pas vu. Donc je vous ouvre la carte parce que c'est un peu un labyrinthe. Donc vous aidez à vous repérer. Donc c'est par là. J'ai tué tous les monstres, hein, comme d'habitude. C'est vraiment, vraiment un labyrinthe. Même moi, je me suis perdu. Hein. Donc, là, le petit chemin par là. En fait, vous suivez un peu l'objectif, c'est ça. Passer par là. En fait, vous avez quasiment juste à suivre l'objectif. Et là, c'est dans cette salle que se trouve notre dernière rune. Il y avait un survivant. Il s'était caché. Donc voilà, et là vous allez me dire où est le levier. Bah le levier, bah c'est un livre. Donc vous appuyez, et là ça va nous ouvrir une salle secrète. Et cette fois-ci je n'ai pas l'impression que nous sommes dans la dimension des rues. Il y a deux coffres d'ailleurs, je vais jouer tout de suite. Après. Donc j'ouvre les coffres. Retourner au camp et on va placer ensemble la dernière rune. Toujours ce cochon qui est toujours sur le chargement. Je ne sais pas ce qu'il regarde. Peut-être un arbre, peut-être un monstre, peut-être un zombie. Alors, bon, toujours juste montrer, hein, il faut aller. Donc on avait abaissé le pont-levier ensemble. Hein. Et là, nous rentrons dans l'église que nous avons découvert. Donc. Waouh! Je vais enfin placer la dernière rune. Qu'est-ce que ça a fait? Ça ouvre une porte! Waouh! Un parchemin avec deux coffres d'oxygène. Je vais vous dire ce qui m'intéresse le plus, c'est le parchemin. Niveau déverrouillé. Point d'interrogation. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je vais vous montrer dans la vidéo d'après le niveau que nous avons débloqué. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner.